dérapé. Donc c'est confirmé finalement, et comme dit finalement, bien entendu depuis hier, depuis avant hier, nous avons suivi le dossier ça monsieur, et nous même nous avons confirmé l'émission matin débat, hier encore nous avons souligné l'émission matin débat, et bien matin encore, donc là il n'y a pas de route pas bois, et ULCC confirmé que il recevra justement, donc il y a une dénonciation, et côté que ULCC non mais, ok, clairement non trois conseillers que je dis à, il a fait plainte contre eux pour le fait qu'il a demandé COB, donc à président Benzéa, et pour les capacités dans le job, il en a parlé de 100 millions de gouttes. Donc ce dossier qui est sérieux, et nous voyons que il y a un bureau de communication, donc Smith Augustin, et qui réagit, en fait, président Smith Augustin, actuellement qui est dehors, et qui a Jeux Olympiques. Cabinet, en fait, le cabinet de communication, donc Smith, au président Smith Augustin réagit, et l'ivo est jeté bien loin. Donc toute accusation donc qui fait son nom lieu et que il t'a metté dans le cadre de machination donc contre le président donc Smith Augustin. Donc il n'est que d'attendre, mais là parce que cabinet communication Smith Augustin tant Jean allait trop vite qu'on a qui ça le pral dit de dossier USCCA, je dis à qui confirmer toute bagaille et que là nous a dit que pas gon quête quand même monsieur. Bon quand même et immédiatement depuis un soupçon de corruption et libéral étalé sous conseil là, sous membre conseil là, et puis sous conseil BNCA. Donc parce que pas de corruption et en ligne droite, à dire pas de corruption au seul groupe monde, à dire que pas de corrompu sans corrupteur, pas de corrompu sans corrupteur, parce que et dans ça là, est-ce que c'est conseiller que t'es voué moun personne interposée ou bien c'est conseiller directement que t'es voué avec et les personnes et concernées ou bien ouais. C'est monsieur concerné dans le conseil là qui t'a voué un conseiller yo, ou bien comment ça a été fait, c'est enquête ça qu'a mené. Donc là on a une présomption d'innocence, pas vrai, il y a un soupçon de corruption. Est-ce que les conseillers présidentiels, ils sont bel et bien impliqués dans le cadre de ce dossier. Est-ce que les membres du conseil de la BNC, eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes qui fait machination, hein? Qui s'accueille dans le dossier? Donc, un fait est clair, c'est que jeudi à là, nous sommes pas en mesure pour nous dire, pour nous indexer ni X ni Z dans le cadre dossier, parce que c'est enquête qui pral mener, qui doit mener pour une enquête aboutie. Et nous, pendant l'enquête, se poursuit. Et ceci dit, pendant l'enquête a mené, qui décision qu'a prend dans le niveau conseil là, dans le niveau secteur yo, pour qu'on ait exactement est-ce que conseiller yo impliqué ou non dans le cadre de ce dossier. Moi-même, eh bien, position PAM, c'est que je dis à la, je sens que gagner des mouns qui allait trop vite en besogne. Dans la mesure où ça pas gagné longtemps de ça, gon machination. Yo indexé un conseiller qui c'est Gérald Gilles dans plusieurs fois à maintes reprises. Yo indexé Gérald Gilles, faut qu'on a regardé ça que fait c'est Gérald Gilles vient tourner. D'ailleurs rappelons bien Gérald Gilles ça t'es pressenti pour le vin président conseil présidentiel là, on se rappelle. Donc ça veut dire que il faut se poser des questions. Est-ce que pas gagne des monde beaucoup de premier ministre tout beaucoup de gars connus cap jouer vête là? Est-ce que pas gagne des monde dans conseil là cap jouer vête là? Est-ce que pas gagne des monde dans d'autres secteurs de la vie nationale, du secteur privé des affaires? D'ailleurs rappelons bien Loukou Désir. Moi dis que monsieur, oui mais dossier vient très politique là, non? Mais c'est samedi là. C'est samedi là. Donc ça veut dire que moi dis c'est pas des moindres. Monsieur, dame, qui n'a niveau, par contre, c'est dame la donne, dans le conseil président, conseil BNCA, yo checké plusieurs moun, y a fait des matchs, y a combien de temps y a fait des matchs pour aucun bel conseil là. Bon, de toute façon, ils ont eu ces heures, donc ULCC, et pas le pour le bain mou pali, ok, pour le dire exactement, donc que ça va là, vu que ULCC touché, donc par dossier, à pas question. Mais ça n'a pas dit hier là, et matin, m'a entendu des voix qui commençaient à lever, ok, du secteur et de la société civile, côté que dossier a vin très politique dans le moment où on a parlé à la j'ai analysé hier matin. Donc dans l'émission matin débat, donne des voix côté
il y a des gens qui ont demandé si effectivement ils ont des évidences, ils ont des preuves et que le conseiller Sayo a une corruption, a fait marchandage, trafic d'influence pour demander 100 millions de gouttes à un président, à une banque pour qu'il arrête dans le poste. Donc il faut que vous mettez à côté. Donc conseiller électoral ça, conseiller présidentiel ça. Maintenant étant main action et mettez action publique en votre conseiller et Samuel Jean-Baptiste et Gladimir et Galette. Si c'est le cas, est-ce que ça va vous dire que conseiller si moi dis si c'est le cas, il est arrivé je n'ai effectivement des évidences qui dit que il y a une corruption. OK, non fait l'argent. OK? Est-ce que c'est météo de côté ou du moins est-ce qu'on y a structure qui vaut pour l'objet remplacer pour l'autre représentant? Donc il y a ça aussi qui est très important. Ou bien est-ce que ça a tout pour mener donc à dissolution donc conseil là, madame monsieur. Mais son dossier qu'on a suivi, mais il est très politique là dans le moment on a parlé là. OK? Parce qu'on va en dire qui des démarches là. OK? Et par contre, qui est-ce que je dis à tout, j'entends dire Isaïe César, si tu as une machination, ok, si c'est une orchestration, comme tu as dit, on marche en campagne, ok, pour dénigrer certains conseillers présidentiels, c'est qui est-ce qui derrière tout. Bon, en tout cas, donc ce dossier ici, on a suivi à l'émission Matin Débat. Bon, moi-même, Louko, je pense que, conseiller, si yo li va monter m'pense si conseiller yo pa nan corruption tout effectivement faut que yo sorti nan silence yo parce que écoutez dossier corruption et c'est pas un bagage qui petit et lorsque yo cité non nan bagage ça m'a vite dit c'est voler avec grand V et si nèg yo pa la dans le vrai que yo sorti dans silence yo pote démenti formel et que justement moun ki pote accusation fausse s'il passe yo pa la donne contre yo exige le dédommagement intérêt et excuse publique même parce que l'ancien président alors l'on fait partie en structure cap rempli en fonction présidentielle donc c'est pas seulement Haïti qui gagne le fixer sur ou journée aujourd'hui c'est le monde entier qui gagne rivé sur ces CPTA. Maintenant pour nous citer nos bagages, nos actes volants comme ça, c'est petit bagage petit. C'est pensé. Bon malheureusement n'est pas boy site, moi j'aime et côté n'est boy site fait ça lorsque nous yo citer dans Zach sale, Zach malhonnête pour yo gagne capacité de dépassement pour démissionner pour permettre la justice et faire lumière sur ça yo répondre. Moi beaucoup j'aime n'est qui fait ça, si gagne peut-être ça échapper m'nava et de me songer zanmi auditeur nous capable de me faire ça pas un problème. Bon, dernièrement Léon Charles t'est démissionné dans OEA, il t'est démissionné. Merci en pile. Merci beaucoup. Après ordonnance et juge là. Merci. Pas un problème. Vous mettez là à la disposition de la justice. Donc moi j'ai une exception mais nèg ici pas jamais fait ça. Si nèg yo pas sorti dans silencieux. C'est vrai que là c'est la justice qui pourra le prouver. Ça qui gagne contre nèg yo mais si yo pas sorti dans silence et société a lui même li gonje l'a interprété silence là oui m'baon si nous comprendre non très bien société a gonje l'a interprété silence nèg yo oui très bien bon en tout cas donc dans ce dossier là suivi ici donc à l'émission Matin Débat n'a salué et Tillion Shelby également Debussy donc depuis New York City donc aux États-Unis d'Amérique on allait Haïti. Haïti justice vers la mise en place par le ministère de la justice et de la sécurité publique des cellules anti-gang dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire pour quel résultat? Bon là c'est alors ça pour nous comprendre madame monsieur moi même un chien dit dans le blanc en bas là je dis là ni CPA gede pion y a meté là y a marqué des pions y a marqué des points là je dis là ou m'a dit tout sauvé même si je dis à un dossier de corruption qui planait sous tête certains conseillers présidentiels mais ou a regardé depuis la CPA monté là gede pions y a déposé des points qui a marqué là dans moment là OK
des cellules anti-gang et non, alors c'est pas à travers tout le pays. Alors Samuel, les détails c'est quoi? C'est le lieu à monter dans chaque juridiction qui gagne état d'urgence et sous yo dans cas d'état d'urgence. Là, on va parler du département de l'Ouest, également du département de l'Artibonite. Et l'Artibonite, sur 14 communes. Donc, alors madame, monsieur, il faut rappeler que, état d'urgence là, il concerne deux départements. C'est l'Ouest et l'Artibonite. Donc, cellule ça yo. Yo a formé ensemble avec commissaire gouvernement, ensemble avec commissaire de police et tout l'autre monde qui dans question justice et sécurité dans commune ça, yo en façon pour yo capable combattre insécurité dans zone ci là. Et une barre qui est important, c'est que moun sa yo y a gagné des pouvoirs qui des cas spécial pendant et période d'état d'urgence. Pendant un par exemple, yo a gagné droit pour yo faire arrestation ou bien perquisition la journée ou la nuit. Nous connaissons. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a fait arrestation, perquisition mandat, la journée ou la nuit. Ou bien, bah, on est n'importe quel sens. Parce qu'on est nous dans la période d'état d'urgence, il y a un ensemble de lois qui a outrepassé pour être capable de combattre l'insécurité. Et puis, il y a capable de mettre des procédures spéciales pour capable de traiter les dossiers justiciaux rapide, vite, dans ce qui a à voir avec l'infraction. Yo gen doit prolonger garde à vue, nous connaît garde à vue. Ça qui gagne à infraction. Infraction, oui. Infraction, exactement. Yo gen doit pour prolonger garde à vue. Yon suspect si yo ta connaît li ta nan mauvaise affaire, y a mené enquête sous li et puis yo gen doit pour yo ta même déporter yon moun qui pas rete dans commune. C'est dit si yon moun vin dans commune là, yo pas connaît li pas moun commune là, yo gen doit pour dire ou pas rete là, non bon temps jour pour quitter commune là en façon pour capable gen contrôle commune ça. Yo gen doit suspendre permis pour moun pote zam. Sou gen permis au cadeau pas capoter encore à cause que y a géré question sécurité, ou gen doit pour même ramasser zam ak munition qui interdit, ou gen doit saisir machine sans plaque et la trier son ensemble de dispositions qui prend qui très très long dans circulaire ça que ministère de la justice sorti en façon pour courir loi état d'urgence qui sorti 17 juillet qui se passé. Maintenant la question maintenant il faut pas gagner but non. Ah oui, bah, non, oui mais, c'est ça même. Parce que il y a qui va l'utiliser pour faire abus. Correct. OK. Faut pas gagner abus tout qui fait en ce sens. En tout cas, bon, c'est quand même une très bonne décision. OK, c'est une très bonne décision et qui concerne pratiquement donc deux départements, l'Ouest également donc l'Antibonite. Donc maintenant, et en nous étant pour nous donc qui résultat que ça lui-même libre le bail et donc dans le cadre d'état d'urgence là, OK? Est-ce que ça seulement suffit tout? Donc maintenant, il n'est que d'attendre. Pas oublier de rappeler que l'état d'urgence sécuritaire là, c'est pour justement donc le gouvernement assurer que question insécurité là, surtout côté qui gagne plus gros foyer de gang qui c'est l'Ouest également l'Artibonite, que yo gagne l'attitude qu'on y a puis yo capable assurer que yo démanteler donc foyer ça. Donc maintenant, n'a pas attendre parce que jusqu'à présent nous avons beaucoup de gros versions qui fait tout qui planifie par la police. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est Pion qui a mis jusqu'à présent pour capable permettre que l'opération ça yo mené. Mais go pas m'a dit tout et équipe gars reconnait entend des matin débat parce que nous souvenons nous t'ai fait débat ça déjà que nous demandé que ça n'y est là journée jodi non seulement nous pas ca résoudre avec régime ça nous gain là. Faut qu'on régime spécial qui c'est état d'urgence et puis faut qu'il y ait des dispositions qui claires qui féroces qui mettent en place pour capable résoudre. Bon, qu'on y a là appliquer yo et puis mener opération qui mener avec yo, ça sont l'autre. Mais c'est d'après moi un bon pas de la dans la bonne direction. Faut préciser Samuel. On va outil d'ailleurs, on va outil là, un bon pas. Oui. Dans direction. Alors faut préciser Louko Désir, Samuel Jean-Baptiste Esaïe César, deux départements, il y a plusieurs juridictions là-dedans. Par exemple, dans le département de l'Artibonite, il y a la juridiction des Gonaïves, la juridiction de Saint-Marc et dans le département de l'Ouest, il y a la juridiction de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, de Petit-Gouave et qui est cette juridiction qui est encore en fait c'est deux départements mais plusieurs juridictions. Donc c'est le anti-gang là, la gang là dans donc parquetier, la gang autorité judiciaire également donc autorité policière également donc autorité qui dans commune
tant que magistrat et délégué départemental, donc toute équipe ça. Donc en tout cas, on a pris tant de bonnes nouvelles. Donc c'est une, quand même une très bonne décision donc, prise par le ministre de la Justice, monsieur Maître Carlos Hercule. N'a toujours été une question justice. Matin, nous chargé qu'on les bat. Alors, n'a pas appelé, madame, monsieur, donc matin débarrassé. Analyser ça qui gagne donc dans l'actualité. Nous essayons de comprendre bien donc ça qui gagne donc dans l'actualité, madame, monsieur. On allait à Haïti Justice. Les membres de la commission de la mise en œuvre de la réforme pénale installée hier, le décret du 11 mars 2020 sera revisé. Nous sommes un débat que ça te fait dans la société hein? Et du temps de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, yes. La question de la réforme pénale. Ok? Nous sommes tout débat que ça t'est fait dans la société, madame, monsieur. Et c'est là où tu as pu aller un débat qui était très houleux. Sous question Massimadi. Ok? Côté, il y a des secteurs qui ont dénoncé le fait que dans le texte là, selon eux-mêmes, Jovenel Moïse, tu as validé question pareil, Massimadi, divine, pratiquement dans le pays. C'est pas deux débats qui va gagner sur question ça. Et dans question ça tout, songez nous songez que maître Doval. OK? Qui position maître Doval te gagner sur question et sur pénal là, également sur question non, ou parce non, maître Doval c'est constitution. Oui, c'était constitution. C'est constitution. C'était constitution. Donc il pas gagner intervenu sur question pénal là. Mais gon décret qui était de prendre, c'était le décret du 11 mars 2020. Et qui te presque permettre que ça qui là comme document, c'est lui-même qui va le valider. Donc, société a vu une campée, secteur et judiciaire a campé, quand pile voix qui est levé, et Jovenel Moïse est obligé de venir faire un retrait. Donc, sous question réforme pénale. Là. Maintenant, la question est de retour sur la table. À qui ça ne va pas attendre, nous, monsieur? Mettre galette. Bon, et. Moi-même, au contraire, moi-même comme jeune juriste, et m'étais toujours souhaité pour gagner passer mes qui fait pas seulement dans loi pénale haïtienne non, mais non pas que texte de loi parce que nous c'est un rare pays dans région pour me pas dire ou bien même si nous c'est un rare pays avec système qui gon système juridique romano germanique qui gagne on qui gon paquet texte de loi qui pas adapté avec le temps qui par exemple justement par exemple regardez mais dans code pénal haïtien gagne combien d'exigeon moun et a c'est 6 piastres, oui. C'est 100 piastres. Moi ça me dit journée jodi a qui sont moun ka fait avec 100 goud ou bien qui ça 100 goud ka bay yon moun qui victime d'une accusation te pour te mal de li ou bien une fausse accusation. Qui ça sans goût dans le café? Mais peut-être les cachons qu'on calboué. Exactement. Les cachons qu'on calboué. Alors, là, je ne peux pas ça. Bon, ça, c'est côté, en fait, je suis capable de dire qui est bas. Mais moi, pense que j'ai deux projets ça. Vous écoutez, matin débat. Et je pense que si il y a ajustement qui pour faire, il y a un côté que je souhaite, je dois faire ajustement. C'est sous cybercriminalité. Ça, nous pas gain rapport avec lui-même. Et parce que j'aime si bon texte de loi sous ça déjà, sur la cybercriminalité ici en Haïti. Je connais il y a des ateliers qui fait sous ça. Je connais il y a des ateliers qui fait sous ça. Et puis autre chose, et tant qu'on t'a dit tout à l'heure, journée aujourd'hui, le monde a pas avancé technologiquement. Il est pas normal journée aujourd'hui, si de loin moi filmé yon moun kap touye on l'autre si m'vin avec vidéo ça devant tribunal pour pas tenir compte de lui. Par contre si m'comprenne non monsieur. Très bien, très bien. Si m'fait photo yon moun de loin, m'fait photo, c'est ça m'capable gagner nan même comme preuve. Ouais. Et si yon accusé moun nan, hein? Photographie, vidéographie, yon audio, pas code pénal ça là depuis 1800. On bail comme ça 35, on bail, pas songer mais c'est dans époque ça, dans 1800. C'est législature qui paraissait. Voilà. Quand même. Nèg yo pas travé. Donc moi pense que c'est déjà tant que Samuel se dit tout à l'heure, c'est un bon pas dans la bonne direction pour le droit pénal haïtien. Ouais, bon me dire bon me dire globalement pour le droit positif haïtien parce que me souhaiter que même avancement ça qui fait sous le texte de loi qui ont déjà désuet yo
pour aller dans le sens pour permettre que au moins la justice haïtienne c'est une pigo initiative que président Jovenel Moïse te prend pour pays. Oui. Malheureusement, il a été mal compris. Donc elle dit que pour moi-même, c'était une meilleure initiative que le journal était capable de prendre au pays. C'est une parmi plusieurs. Oui, c'est une parmi plusieurs. Ouais. Écoutez, madame, monsieur. Par exemple, la question et réforme pénale, là, ok? Même sous question constitution. Depuis que nous finissons d'accord que ça n'est pas bon, il mérite corrigé. Maintenant, c'est débat pour nous faire sous lit. Et depuis que débat, où qu'on doit d'accord, on partit, on côté, on l'autre côté, on n'est pas d'accord. Mais finalement, on a fini par entendre nous son bagage quand même. Maintenant, la société a regardé les gens qui sont en face de Jovenel. Il n'y a pas même de la chance pour t'expliquer ça avec à pays, madame. Oui, monsieur. Oui. Et t'es tout les gars, pitou, monsieur. Non, mais. Bonne volée. Son pays de Zinglindo, vous connaissez. Son pays de Zinglindo. Et faut si vous voyez ceux qui pentent, ils sont allés pour tout le président. Ils ont joué un blanc même. Pour. Ils ont planifié. Tout y est président la caille blanc même. A dit c'est mon trop comment pays a est. Ils ont son pays de zinglendo de voleurs, de vagabondage. Donc pour me finir avec réflexion maintenant et Louko Désir, Isaïe César et Samuel Jean-Baptiste. Et moi pense que c'est un pas dans bonne direction et pour avancement la justice. Et haïtienne dans toute intégralité. Maintenant, c'est pas arrêté là, adopter document. Bon, pas adopter, non, c'est réfléchir sur des documents produits, mais il faut publier, il faut nous pratiquer le tout. Claire. Parce que jusqu'à présent, en Haïti, il y a un plus gros problème que nous avons. Même si c'est vrai que nous avons un paquet de textes de loi qui n'est pas cadré avec la réalité de nos jours, mais le plus gros problème nous avons en Haïti, c'est le problème applicabilité des lois ou bien application. Et des lois, bon dire comme ça. C'est-à-dire, nous avons un texte de loi, par exemple, sous corruption, monsieur. La loi 12 février 2008, portant et sous déclaration de patrimoine. C'est une loi qui est capable de bataille contre la corruption ici en Haïti. Ouais. Parce que depuis que nous arrivons au pouvoir, depuis arrivé au pouvoir, plutôt, nous quelque chose à poste lié, quitte électif, quitte nominatif, pour les gens qui ont plein poche. Alors que la loi fait une obligation pour que yo aller faire déclaration patrimoine, dit qui ça a gagné, qui ça a possédé, qui dette yo gagné tout. Yo pas jamais fait ça. Et ULCC tout d'autre part, ULCC connaît depuis moun nan dépassé 30 jours après installation, faut qu'il somme le même pour faire le songer ou gronder les devant, m'a demandé combien fois ULCC fait ça. C'est vrai que nous, ULCC, là, on bat à la chaîne contre corruption. Mais est-ce que j'aime pencher sous aspect ça? Lorsqu'on est arrivé dans le pouvoir, dans quelque soit poste lié, la loi Bali pour la faire déclaration et patrimoine ni rivé le parfait, je me dis, mais est-ce que ULCC fait mon nom songer ça? Tout ancien ministre Ariel, est-ce que tu as fait le apprenti? Point d'interrogation, point d'interrogation. Et je vous dis, est-ce que tu as connu qui s'annexe au vol et qui s'en pas? Et même, doute fois que tu n'as pas volé, même. Doute fois que n'ego pas volé parce que pas oublier gon paquet décision que le même quoi justement Louko Désir parce que bon premier bagaille là pas le parlement pour te contrôler action avec ça yo voilà ça est premier bagaille là deuxième bagaille là n'ego monte un paquet taxes n'ego retire un paquet subvention me songe 10 décembre 2021 Ariel Henry campé li dit yo campé sous subvention sous Gaza pour construire plus l'école. Et paradoxalement, nèg yo monté prix gaz là, yo dit yo pral construire plus l'école, gen plus école qui crasé et l'école fermé. L'école pas carré l'ouvrir. Donc côté comme subvention ça, pas dans l'école pas l'école qui construit. L'agent FNU. L'agent FNU. Bon scandale FNU avant tête internet. Mon cher. On bon nèg là cap et lutter des FNU là. Pour prendre FN. Et là, tu l'as mamaillé. Vire ton dégât. Yo voyez 5 dollars américains pour prendre 1,50$. La donne 3,50$. Ou abjouen nous. Et pas d'explication. Donc, Louko, on va intéresser en FN. On va intéresser. Alors, Esaïe César, pour me finir. Et je pense que c'est pas arrêté Chita produit texte et puis mettre le Tiwa. Non. La produit, la publier et puis faut y appliquer. C'est très important. Eh bien, il y a une chose également qui est très importante. Et faut nous faire promotion nouvelle loi autour.
Parce que vous avez des avocats là, je dis là, des lois, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ça c'est clair. Mm-hmm. Donc, on oui, dans le ministère de la Justice, il faut qu'on cellule pour ça, qui vous fait promotion de loi. Vous comprenez? Surtout les nouvelles lois. Ok, faut qu'on soit lui qui vous fait promotion de loi, parce que il y a des avocats qui même qui ont telle ou telle loi qui existe, mais pas besoin même de pouvoir faire peuple là. Ok, côté que ce peuple là lui-même loi, c'est pour lui qui est fait. Ok, donc elle dit que parce que ça est très important et commission qu'il a qui chargé justement pour mise en œuvre donc réforme et pénale là, j'espère que il va pencher sur ça. Ok, c'est commission de 9 membres. Il y a un homme qui a gagné Pierre-Richard Casimir, donc ancien ministre de la Justice. De la Justice. Donc, président et Martelly. Donc, également ancien ministre des Affaires étrangères. Tout. C'est pour le ministère d'Antoum. Ancien. C'est pour le ministère d'Antoum. Non, on m'a parlé de Pierre-Richard Casimir, il était ministre des Affaires étrangères. Oui. Ancien ministre des Affaires étrangères. Sous le président Michel Martelly. Donc, en tout cas, son dossier n'a pas suffi encore. Donc, dans l'émission Matin Débat. Haïti, corruption, nous parlons rapide, pas oublier que je dis à ce vendredi, donc c'est vendredi diaspora, donc avec Gladimir Galette, je dis encore, donc nous parlons de chance, ou même qui dans diaspora, pour placer mon pau, donc dans ça qui était passé pendant ce moment-là, et dans le pays, également sous le débat que nous avons fait pendant ce moment-là, donc dans l'émission Matin Débat, également, vous êtes capable d'intervenir sur et tout ça qui a rapport avec le pays, tout ça qui a rapport avec la politique pays, donc nous prenons appel à partir de 12h30, c'est sûr que vous avez une chance pour capable placer mon port là, donc à l'émission Matin Débat avec Gladimir Galette. Et donc invité à un studio, le Premier ministre Gaï Kony exige une enquête sur la gestion administrative du BMBAD. À quoi doit-on s'attendre, monsieur? Est-ce que là, Ignace Fleur évoqué? Mais c'est pas évoqué seulement. Ça va dépendre de ça aujourd'hui, non? Parce que dès que vous dites BMBAD ou dit Ignace Fleur. Oui, dès que vous dites BMBAD ou dit Ignace Fleur. Et c'est un gros goût que tu as mené. Vous dites BMBAD ou dit jury ou dit gaz. Aïe, aïe, aïe. Donc, monsieur, maintenant, un gros goût là pour prendre BMBAD là. Non, mais Ignace. Oui, oui. Bon, de toute façon, je ne sais pas quoi Ignace, tu as pris dans tête que l'équipe qui est là, tu as pas le camp ensemble avec lui. D'ailleurs, l'équipe de Jovenel Moïse considère Ignace Saint-Fleur comme un qui sont traites. Parce que vous-même, vous confiez que Jovenel Moïse t'a fait Ignace et que le patadou était dans un gouvernement et Ariel Henry a fait qu'il était démissionné. Eh, ouais. Alors, c'est l'équipe de Jovenel Moïse. Eh, ouais. En question de intérêt. Président Mourinho, oui. Président Mourinho. Comme si n'est un poste pour la démissionner. Bon, qui sont ouais, qui sont qui action ouais, la famille présidentielle mène pour goumer le président oui. Ouais, c'est vrai. Pour goumer. Pour goumer en faveur, justice président. Maintenant. Mais si tu as son, moi c'est si garçon, moi tu le tues, tu ça ouvres tu. C'est Timogay, c'est Sololi. Mais ça moi ça. L'idée contre-attaquer, l'idée attaquer alors et décision. Pas bon mourir, c'est mettre botte dans pio. Prends ça mourir. Ne façon pas monsieur mourir. Monsieur était supposé avec l'argent chercher l'argent de tous côtés. Comme pas mal te quitter l'argent que gagne. Pour mener goumer avec botte dans pio oui. Ouais. Ah monsieur, non, je t'ai parlé français. Oui, 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 oui. C'est vrai. L'argent Jovenel qui te gagne dans mes mounes. Normal mon cher. Le président de la République mourit comme ça, malgré le président Jovenel Moïse. Pourtant, tu dis, puisque monsieur t'a mené une bataille politique pour te arriver dans une position pour permettre de faire une série de bagailles. Mais on est venu comme ça, c'est vrai? Pourquoi tu prends Jovenel Moïse facile comme ça? Bon, même si Jovenel est venu avec, on m'a dit ça, puis Gola, mec, il a mis le tap qui il depuis en l'air. Complate fort, complate fort. Mon cher. Pati ba piti non nèg. Pati ba non monsieur. OK. Mais la question Gaza, c'est surtout ça et que peut nous insister. La question Gaza, nous connaît qui garotte qui gagne la question Gaza dans pays d'Haïti. OK. Qui garotte qui gagne la question Gaza dans pays d'Haïti madame monsieur. Et c'est yon nan côté ou bal faire enquête. OK. Nan BMBAD. Puis regardez chaque gagne dans question Gaza des millions de dollars. Que l'État dépense dans la question gaz. Ok? Et je ne suis pas tellement sûr que vous ne pouvez pas venir. Parce que, logique, gaz c'est une question mafia dans le pays d'Haïti. Selon Ignace Fleur, vous connaissez. BMPAD n'a jamais sollicité aucun paiement pour Pueblo
Peuple riche. Peuple riche, oui. Mais l'État est arrivé à payer dans le don BMPAD. Ça veut dire si l'État perd l'argent, BMPAD par lui-même, pas aucun côté et il était voyé et mandé et payé. Là du gars c'est dans l'État des groupes te fait pression sur ministère des finances pour te payer et institution le quoi dire Peuple riche. Parce que Peuple riche pas jamais voulait soumettre facti qui la petite bagarre non qui conforme non son gros dossier oui après qui était mentionné devant la justice américaine qui New York non procès verbal ouverti prio pour appel d'offres. Ça c'est parole Ignace Saint-Fleur parce que m'ta posé quelques questions sur dossier a parce que nous gain franc parler et m'ta besoin comprendre exactement parce que l'aime tendez et ça crivé a l'aime tendez premier ministre annonce son question enquête là son gros côté et pas jouer dans le plaisir. C'est le chef du gouvernement qui annonce une enquête, ouverture enquête, et me fait un bail pour émettre son cloche. Moi, pour émettre son mérite son cloche. Parce que faut qu'il grenou nous quoi. Pour attaquer dossier ça. Dossier bah gaz là. C'est un dossier qui tout est Jovenel Moïse. Dossier gaz avec dossier électrique. Peuple riche qui parle ça, son compagnie. Oui. Qui est le président, président Michel Martelly. OK ouais. Donc son compagnie Babo Manti donc c'est les gon bra mafia la donne. Aïe aïe aïe. OK les gon bra mafia la donne. Donc elle dit que dossier ça son dossier nous était traité déjà ici dans le oui, débat. Oui, on rappelle ça. Et dossier ça déjà donc dans émission matin débat madame monsieur. Donc voilà que justement gon bra qui pas clair dans dossier Peuple riche. Ouais. Donc gon l'argent que yo t'a réclamé de l'état haïtien, yo gagne passé par en bas yo touché l'argent. Et Ignace expliqué en partie, il dit que côté le montrer compagnon pas jam soumettre facti qui vient avoir dossier ça même. OK. Mais c'est oui, mais comment j'ai touché? C'est parti dossier petit non? C'est cause. Non mais bon, pas, c'est pas BMPAD comme institution publique qui l'a qui chargé pour placer comment pour passer commande gaz. Ouais, qui t'a loué, oui. Non, il est venu tirer la main. Il est venu tirer et conseil de axe, conseil de comme tu as dit ça. Et il est venu par compagnie. Ah oui, me songe vraiment. Il est venu par compagnie. Priorité pour al faire commande. Pour placer commande. Ah, personnellement. Oui, oui. Alors, c'est le président Jovenel. Quoi des ordres? C'est le président Jovenel Moïse. Et toute bataille yo mené face à Jovenel là, c'était pour ça oui. Nous songe madame monsieur Jovenel Moïse comme ancien président, et ben il était dénoncé un secteur dans affaire Gaza qui t'a fait 300 millions de dollars par mois dans gaz seulement. Et ben Jovenel Moïse t'a mourir encore. Il était trop petit pour mourir mon cher. Il pas assez pour séparer. Président Jovenel Moïse pas assez pour séparer. Mais n'est ici. Nèg ici. Aïe, et ça me dit gars, il connait. Veillez contre mes pio. En bas d'exa. Mais jusqu'à présent ça. La boule en bas, oui. C'est ça. Hein? Et gars, il connait déterminé pour le travail. Ouais. En très peu de temps là, on voit que il y a un paquet de base que l'a metté là dans moment là. C'est-à-dire que c'est comme si l'a prend connaissance de l'état et puis l'a font mise en place après ça pour réagir. OK, bien que jusqu'à présent papa ici ça l'a tendu dans les gars iconique et de bas l'a tendu dans les gars iconique là. Nous souhaitons que c'est pas gros ventilapli. Oui, il faut que c'est pas gros ventilapli. Donc papa ici ça tendu dans les gars iconique là dans moment madame monsieur, donc sécurité et puis la vie chère que l'assurer que je dis a prix produit pour mes nécessités donc capable baisser donc sur le marché local. En tout cas, quitte là entendre avec fournisseurs avec importateurs mais papa ici après tant que prix manger puis pour mes nécessités capable baisser pratiquement sur le marché local. En tout cas, dis-moi si Dieu veut faire les 30 jours sous pouvoir. Sous 90 jours. Ça fait le mois. Oui, c'est vrai. 90 jours. Donc ça fait déjà un mois, donc il était 2 mois et dans 2 mois si la travaille. Il connait tout fond paquet de bagages dans 2 mois ça. Dans 2 mois qui était. OK? Si la travaille vraiment, si le gars équipe qui a réfléchi pour le tout. OK? 2 mois qui était. OK? Donc c'est censé 2 mois de grâce que le gain toujours parce que ces 3 mois de grâce au gouvernement gagné
dans la classe politique, également dans le secteur privé, dans la population. Donc si Gaye Koné a travaillé, si l'équipe a réfléchi vraiment, donc 2 mois qui étaient à pour Gaye Koné pour capable de vivre dans 90 jours, il a supposé faire un pile bagaille pendant 2 mois qui étaient. En tout cas, n'a pas été un bon mais jusqu'à vous avez pas ici, hein, il est attaché à 2 bagailles là dans le moment là. Sécurité et puis l'affiché. Sécurité, l'affiché. Au moins qu'on a l'argent en assainissement en même temps que tu as annoncé. Mais c'est comme ça, si effectivement il t'a débloqué et que il t'a allé de côté de l'autre côté, dans la population, dans le ghetto, pour ce n'est pas un pouvoir qui vous a mangé l'argent, ça, même gens, ça a habitué fait, donc ce pouvoir qui dépasse avant. En tout cas, on doit s'en prétendre. Donc, les gars, ils ont demandé pour gagner un cap clair qui pour mener, donc, suggestion administrative, donc, BMBAD, surtout dans ça qui a rapport avec la question gaz. Ignace Fleur, donc, c'est le directeur général. Bembad, M. Clay lui-même, donc il est très ouvert, et bien prétendre donc l'équipe de USCC pour l'ICA lui-même personnellement répondre à toutes questions qui ont rapport avec.